Alors, c'est quand que vous avez commencé à peindre? J'ai commencé à peindre à 20 ans, à peu près. Bon, je dessinais avant, à l'école, tout ça, mais j'ai commencé sérieusement à peindre à 20 ans. Et pourquoi la peinture? Pourquoi la peinture? Parce que je crois que j'aimais peindre, et que c'était quelque chose de manuel, c'était quelque chose que je pouvais travailler, je pouvais ressentir. Bon, je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Bon, la littérature m'intéresse, la musique aussi, mais je ne pense pas que j'aurais pu être musicien. Je pense qu'on ne choisit pas ce qu'on est en fait. Mais j'avais besoin de faire quelque chose. Je sens que j'avais besoin de faire quelque chose. C'était quelque chose qui était en moi, quoi. La peinture, les dessins, la sculpture, les matériaux surtout. On m'a dit que les professeurs vous piquaient vos dessins. C'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. Quand j'étais à l'école, il y avait à l'époque en France, c'est l'école normale qui fait les instituteurs. Et ils faisaient des stages dans les écoles. Et quand il y avait des stagiaires, élèves, professeurs, ils me demandaient mes dessins. Alors moi j'étais très fier parce que c'était d'ailleurs là-dessus où j'étais le meilleur parce que par rapport au reste, j'étais pas très très bon à l'école. Maintenant, vos influences, c'est quoi? Ben, mes influences, ça a été, je pense, l'école de Nice aussi. Au début, bon, au début, j'ai fait comme tous les peintres, j'ai fait des gammes, hein, j'ai commencé à faire de la peinture classique, disons à apprendre à dessiner, à apprendre à peindre, à apprendre à mettre des couleurs. Mais j'ai jamais été à l'école des beaux-arts. J'ai failli, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris des cours un peu privés, mais très peu. En fait, c'est mes rencontres avec d'autres peintres. Des peintres connus, renommés et reconnus, qui ont fait que, ben, en les côtoyant, j'ai appris, ils m'ont appris aussi. On a échangé beaucoup de choses ensemble, en particulier un sculpteur qui s'appelle Jean Amado, qui est connu et qui était un ami. J'ai eu la chance d'avoir comme ami et presque comme un grand. Je dirais pas un grand frère, mais presque un père. Ça m'a apporté énormément, quoi qu'on fasse pas la même chose, puisque lui n'était que sculpteur. Mais dans ses conversations, dans la façon d'échanger, de voir les choses, il m'a apporté énormément. La galerie, c'est pourquoi? C'est pour se promouvoir un peu ou c'est plus facile? C'est quoi la galerie en fait? Parce que c'est nouveau ça. Oui, c'est nouveau. Ça me permet d'être libre. C'est-à-dire, bon, c'est une galerie atelier, donc bon, bah, j'ai contact avec les gens. Je suis un peu comme les paysans qui produisent et qui vendent. Donc c'est direct. Je me sens, oui, c'est vrai, beaucoup plus libre. Je n'ai pas à faire des démarches à chaque fois pour aller exposer et tout ça. Alors la peinture, c'est comment on sait quand on succède, qu'on fait quelque chose de bien, qu'on a du talent, on le sait ou c'est quelque chose un peu à l'aveugle vous le définissez comment vous votre succès? Ben, c'est difficile à dire, je ne pense pas qu'on le sache, on n'est jamais satisfait, parce que si on était satisfait à ce moment-là, on ne progresserait pas. Et puis bon, on n'est jamais satisfait. Moi, plus j'avance en peinture, plus je suis difficile avec moi-même, quoi. Je veux dire, je suis jamais vraiment satisfait. Bon, des fois, je me dis, oh, ben, ça c'est pas mal, mais je ne suis jamais satisfait. D'ailleurs, oui, on ne progresserait pas si on était satisfait. Mais ben, maintenant, on sait qu'on a une petite valeur par les voyages qu'on peut faire à l'étranger, dans les fondations, les musées, tout ça. On se dit qu'on a quelque chose un peu de différent. Mais il ne faut pas avoir la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Je crois qu'on est
toujours le fils de quelqu'un et le père de quelqu'un. Et c'est des influences qui se croisent, qui se... Et puis tout ce qu'on revit, tout ce qu'on vit, et tout ce qui nous entoure aussi. Et ça fait que, ben, ma foi, on vit avec tout ça, on essaye de le remettre en peinture. C'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais faire une peinture qui n'aurait pas d'âge. Alors c'est très prétentieux, parce que faire une peinture qui n'a pas d'âge, ça veut dire quoi en fait? Même si on est contemporain, si on fait une peinture contemporaine, il faut qu'elle tienne, donc il faut qu'elle soit bonne. Alors à savoir si elle est bonne, j'en sais rien. C'est pas un peu ça la tragédie du peintre, c'est qu'en fait beaucoup de peintres n'ont jamais su. Ah ben oui, parce que souvent, surtout au 19e et au début du 20e siècle, il y a de très bons peintres qui sont morts sachant dans la misère et qui n'ont jamais su s'ils allaient être connus ou quoi. Bon, je ne sais pas si les peintres vivent pour être connus. Bon, c'est mieux d'être connu de son vivant qu'après sa mort, au moins on en profite. Mais je pense qu'il y a des peintres à l'heure actuelle qui savent qu'après leur mort, ils seront connus, ils seront reconnus, parce que bon, c'est des grands, quoi. Je pense à des gens comme Soulages ou Papiès. Bon, c'est les deux survivants, je pourrais dire, c'est pas gentil pour eux, mais survivants d'une grande époque de grands peintres, quoi. Ces gens qu'on connut, Braque, Picasso et tous ces gens-là, quoi. Et si les gens un jour parlent de vos peintures dans un autre siècle, vous aimeriez être rappelé comment décrit votre peinture? Ça serait quoi le... Alors là, je ne sais pas, aucune idée. Je ne sais pas. Est-ce que ça a de l'importance ou pas? Bah, ça flatte l'ego, mais en fait, quelque part, que ça. On ne peut pas dire qu'on s'en fiche, parce que je crois que les hommes, quoi qu'ils fassent, il y a un côté un peu éternel chez eux. Ils veulent partir et laisser quelque chose. En partant, ils veulent laisser quelque chose. Donc, je serais content qu'on reconnaisse mon travail. Que je n'ai pas triché, quoi, que j'ai fait un bon travail. Maintenant, pour savoir si je resterai dans l'histoire de la peinture, ça, quelque part, je ne sais pas, j'en sais rien. Et puis en fait, quand on peint, on ne pense pas à ça, quand on parle de travail, parce que c'est une nécessité. Comme quelqu'un écrit, un peintre peint. Donc c'est une nécessité. Donc s'il n'y avait pas la peinture, ça aurait mal tourné pour vous? Ben, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai jamais même pu penser que pas fait quelque chose, parce que je crois que c'était une nécessité de peindre, je sais pas, alors peut-être que j'aurais fait, je sais pas, je me serais lancé dans autre chose, mais je crois que ça aurait été un truc, je pense que ça aurait été quelque chose d'artistique, et c'est pour ça que j'ai choisi la peinture, c'est ce qui me convenait le mieux, je crois. Maintenant, si j'avais ce talent, j'aurais aimé écrire, j'aurais aimé peut-être être comédien, même à la limite. Pourquoi pas? Mais bon, je ne sais pas si j'aurais eu ce talent. La peinture, ben, parfois, j'arrive bien à me débrouiller, quoi. Mais maintenant, c'est du travail, c'est énormément de travail. Je crois que la peinture, c'est quelque chose de très, très dur, parce que on est seul et personne ne peut rien pour nous. On travaille dans son coin, on n'a besoin de personne. Et une fois que c'est fait, ben, on se met à nu, on présente ses peintures, et puis bon, après elle ne vous appartient plus, c'est aux gens de décider, mais vous êtes seul en travaillant, c'est très dur, et il est plus facile de devenir compositeur de chansonnette, hein, comme le disait Gainsbourg. Pour lui, le vrai artiste, c'était Picasso et Mozart. Il disait, lui, moi je fais des petites chansonnettes. Pourtant, moi, je considère Gainsbourg comme un grand artiste. Mais lui-même disait ça, il disait, j'ai laissé tomber la peinture parce que c'était dur.
Et je crois que c'est vrai, c'est quelque chose d'ingrat. On n'est pas sous, les feux, quoi. On n'est pas reconnu, il faut des années et des années, et bien souvent on est mort quand on est reconnu, quoi. Donc c'est vrai que la peinture, il ne faut pas faire de la peinture pour gagner de l'argent, ou pour devenir célèbre, ou quoi que ce soit. On fait de la peinture parce que c'est une nécessité. Sinon on la quitte, sinon on fait autre chose. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces art installations en Angleterre? Il y a beaucoup d'installations. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit, c'est toute cette nouvelle vague anglaise. Il y a des choses qui sont valables, comme toute chose nouvelle. Je ne serai pas de ceux qui disent qu'il est contre le modernisme ou contre l'avancée, parce que dans chaque pays et dans toutes les époques, il y a eu des choses nouvelles. Alors il y a toujours eu, à ce moment-là, des gens à qui la nouveauté fait peur. Moi, la nouveauté ne me fait pas peur, mais il y a des choses où je suis plus sensible que d'autres, c'est normal. Il y a des installations qui me laissent complètement, je trouve que c'est du gadget, quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais maintenant, pour celui qui l'a fait, ça peut dire quelque chose, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, par contre, il y a des installations, d'autres installations qui sont bien. Je ne suis pas contre cette forme d'art, d'installation, tout ça. Je trouve que ça peut déboucher, ça peut amener autre chose. Et dans 50 ans, ça sera encore autre chose et il y aura des nouvelles. Donc, on ne peut pas être contre ce genre de phénomène. Maintenant, si c'est du sensationnel pour faire du sensationnel, du jamais vu, bon, mais ça, alors ça peut se discuter, quoi. Et si c'est sincère, si le gars qui fait ça, les installations et tout ça, est sincère, il veut créer, il veut faire quelque chose, pourquoi pas. Un type comme Léonard de Vinci, qui était un visionnaire, qu'est-ce qu'il penserait de la peinture dite moderne et contemporaine? Alors j'ai fait cette peinture avec lui qui regarde comme ça, très, très pensif, la peinture, j'ai fait référence à la peinture américaine avec des grands aplats de jaune, de rouge, de noir et de bleu, et avec des couleurs des deux côtés de où le portrait de Léonard de Vinci se trouve. Les couleurs qui rappellent un peu certaines peintures, c'est un peu caricatural de la peinture des années 50 ou 60. Voilà, je me suis un peu amusé à faire ça. Et la dernière question, derrière vous, il y a une peinture noire, blanche et rouge, et il y a la faille. Cette faille, on la retrouve partout. Est-ce que c'est inconscient ou conscient comme la feuille? C'est qui? C'est vous? C'est le monde? Ouais, c'est moi, c'est sûr, mais bon, ça, cette toile, elle s'appelle l'encou. En breton, ça veut dire la mort. Et c'est une toile, en fait, assez, dans sa conception, assez simple. C'est vrai qu'on retrouve souvent la faille, c'est-à-dire cette espèce de bivalence entre toujours deux côtés, la différence des choses, toujours cette faille qui se trouve au milieu des tableaux. Il y en a pas mal, pas partout, mais souvent, c'est vrai, et dans toutes les époques d'ailleurs. Là, il faudrait faire venir un psychanalyste. Ok, ben merci Monsieur Martin de nous avoir partagé votre travail. Je vous remercie.